notamment du côté de Boulogne, de Grenoble notamment. Attention, la frappe lointaine qui a failli surprendre. C'est parti, ce coup franc dans la surface de réparation. Attention, ça traîne à travers tout le monde. Il est toujours dans la surface avec ce ballon qui va être ressorti pour être centré par Karamoko. Le centre de Karamoko, deuxième poteau. Oh, c'est pas terminé avec la reprise de Dekfet. Dekfet qui remet, magnifique la passe de Dekfet et le but. Dimitri au deuxième poteau. On s'est un petit peu endormi en défense, on s'est endormi puisqu'on a laissé la fin à Diaco au deuxième poteau récupérer ce centre très intelligent de Florian Dekfet. Premier corner pour Villefranche. A plutôt bien tiré cette fois. Oui. Sur bas. Et bien sorti par la défense parisienne. Allez, Bentoumi qui veut essayer de remettre. On va jouer avec Diakité. Diakité qui a couturier à côté. Diakité qui préfère centrer encore un poisson pour bas. Ah, la belle extension d'Idrissa Ba. Du pied droit de Diakité. Pour aller chercher bas. Deuxième poteau, non. Oh, la tête magnifique et le but. Dimitri, l'égalisation de Steven Bazeya. Quelle tête en lucarne. Incroyable, hein, parce que l'action ne semblait pas rapide. Le ballon est arrivé tranquillement sur la tête de Bazeya. Très très mauvaise faute de défense. Faute de placement d'Ibrahima Keïta. Et on a failli avoir Adama Diakité qui avait un bon ballon, mais ça ne donnera rien. Dimitri, un but partout dans cette mi-temps. Ce coup franc pour les joueurs de Villefranche. C'est parti, cette tête au deuxième poteau. Attention, quel arrêt, quel sauvetage de la défense parisienne. Dimitri. Petit coup de tactique de Laurent Combarel. Et c'est bien fait ce ballon, mais très bien couvert par Enzo Valentini. C'est fortuné. Penalty. Et voilà. Pour ses premières minutes ici du côté de Villefranche. Voilà, il prend de l'élan, fortuné, il s'arrête. Et ça repart et c'est arrêté. Dimitri, c'est ce qui pouvait arriver de pire. Et les Parisiens qui peuvent repartir avec Valentim qui lance parfaitement. Keïta sur le côté droit et il y a. Et alors attention parce que ça fera rouge et pour oui. Bastien. Le carton deuxième rouge. Carton jaune pour Maxime Bastien et carton rouge, retour au vestiaire. Et il a préféré rejouer derrière avec Lamadi. Ah, c'est pas très bien joué de la part de Paris Atlético. Et c'est terminé dans cette rencontre. Dimitri, un but partout entre Villefranche et Paris Atlético.